Bonsoir, chers amis de Radio Umuri, d'où vous nous regardez, d'où vous nous écoutez, dans les quatre coins du monde. Nous vous souhaitons la bienvenue dans nos émissions de ce soir. Comme tous les mardis, nos émissions commencent par des émissions en langue française. Et aujourd'hui, pour ceux qui nous regardent en image, vous voyez que je ne suis pas seul, je suis avec des invités. Et des invités, quels invités? Parce que pour le sujet que nous allons traiter, c'est des invités qui vont vraiment nous être utiles dans la compréhension justement du sujet. Je suis avec moi ce soir avec, je crois que le doyen c'est Monsieur Théobard Routihunza, qui nous fait honneur ce soir d'être avec nous. Théobald Routihunza est le président de Riprodor. C'est quelqu'un qui, ces derniers temps, est souvent très visible sur Radio Umuri. Je la remercie parce que ses idées vous ont plu, chers téléspectateurs. Disons donc, soyez le bienvenu, Monsieur Théobald Routihunza, et merci de nous faire l'honneur encore une fois ce soir. Vous allez bien chez vous? Bonjour, Monsieur Aloïse. Et oui, je suis heureux avec vous. Je suis très heureux de venir participer à cette émission dont vous allez révéler le titre. Et je suis là pour être écouté. Merci beaucoup. Vous le saurez, je vous le rassure. Je vous l'assure. Nous sommes aussi avec l'ambassadeur de Guinée, Jean-Marie Vianney, que je ne dois plus présenter, parce que lui aussi s'est bien habitué. L'ambassadeur de Guinée, Jean-Marie Vianney, soyez le bienvenu et merci de nous faire l'honneur ce soir d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie, surtout d'avoir convié mon grand frère et cousin. Celui qui m'a pris la main le premier jour où je suis allé à l'école secondaire en 63. Ah. Théobald Routihunza, c'est lui qui, à travers le lac Kivu, sur un bateau qui s'appelait le Général Tombeur, je crois, ou le Karisimbi, c'est lui qui m'avait conduit de Bukavu à Goma et à Nyundo. Donc ça, je tenais quand même à lui rendre cet hommage et lui dire merci, grand frère. C'est toute une histoire. C'est toute une histoire. Merci à vous deux d'être avec nous ce soir. Parce que quand vous dites que vous avez fait le chemin, le voyage de Bukavu vers Goma, vous êtes entré sans peut-être en avoir l'intention dans le sujet du jour, parce que nous allons parler de la situation sécuritaire chez nos voisins de la RDC. Une situation qui tend à s'aggraver de plus en plus parce que pour ceux qui suivent vraiment l'actualité, ces derniers temps, nous avons suivi les violences entre les gens qui étaient dans la rue à réclamer que la MONUSCO parte. Et qui se sont finalement attaqués aux instituts, aux structures, aux infrastructures plutôt de l'ONU, donc de la MONUSCO, ainsi que quelques membres de la MONUSCO. C'est quelque chose de très grave. Lorsqu'il y a des morts, la vie d'un être humain coûte cher. Et lorsque, comme au Congo, il y a une histoire où le Congo a perdu pas mal d'âmes suite aux différentes guerres qui ont été imposées au Congo, au Zaïre, dans le temps, ensuite à la RDC, imposées par son voisin et frère, le Rwanda, avec les morts justement dont je parlais, c'est quelque chose de très grave. Et
qu'au lieu de s'atténuer, et ça se, hein, les morts continuent, quelle que soit la façon dont ils meurent, les Congolais ne méritent pas ça. Merci donc d'être avec nous, ambassadeur d'Aïzima Rajamaï Vianney. Vous êtes au top de l'actualité, vous suivez. Merci à M. Théobald Tigunza qui suit l'actualité, surtout celle du Congo. Comme je le disais, c'est vraiment regrettable que les violences de ces derniers temps ont fait encore des morts qui s'ajoutent aux morts de 10, 20 dernières années. Commençons par M. Théobald Tirunza. Est-ce que c'est vraiment quelque chose, d'après vous, hein, qui est regrettable, qui est déplorable, comme je le disais tout à l'heure? Comment le voyez-vous, M. Théobald Tirunza? Tout d'abord, je voudrais vous demander de garder une minute de silence en hommage aux civils et aux militaires des Nations Unies qui sont tombés sur le champ de bataille pour leur lutte pour la paix en République démocratique du Congo. Voilà, je vous l'accorde 7 minutes et nous allons continuer après. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, et c'est ce début ou cette réclamation de départ des forces des Nations Unies par la société civile congolaise, eh bien, je pense qu'au début, elle était justifiée par de multiples échecs de cette force des Nations Unies. Et les échecs sont décriés depuis des années. Vous vous rappelez que même en 1994, les forces des Nations Unies au Rwanda ont commis des défaillances pratiquement inexploitables et que le président Kagame exploite de nos jours. Donc, cette situation date de longtemps. Donc, l'échec des Nations Unies, par volonté ou par un calcul qu'on ne montre pas, cet échec est patent et devait être décrié comme ce qu'ils ont fait avant eux. Bon. De là à être légitime à réclamer le départ des Nations Unies ou à le suggérer, eh bien, je crois que ça a été plus loin parce que les réclamations n'ont pas été entendues ou n'ont pas reçu l'écho du gouvernement congolais qui n'a pas réagi à temps. Malheureusement, parmi ceux qui réclamaient, il y a des acteurs gouvernementaux comme un sénateur qui, le premier, a jugé qu'il était nécessaire de dégager cette force. Mais lui n'a pas voulu utiliser, et je crois, il avait son chapitre. Il avait à l'utiliser, il avait à convaincre le Sénat pour que ces forces ou pour que les contrats entre les Nations Unies et le Congo soient révisés ou résiliés. Il avait une tribune appropriée pour ça.
mais qu'il ait dû descendre sur le terrain de Kinshasa à Goma pour décrire ça. Je pense que c'est là où le bât blesse. Et s'il faut dire que la société civile était légitime à demander le départ des casques bleus, je pense que cette autorité du nom de Rukwebo Bahati n'est pas légitime à aller sur le terrain pour attiser le feu. C'est là ce que je peux expliquer tout au début. Oui, vous avez raison, Monsieur Théobald Tihunza. Quand vous parlez que vous dites que Monsieur l'honorable Modeste Bahati Rukwebo est descendu à Goma pour parler aux gens dans la rue, donc dans la... voilà, c'est un fait, vous avez raison, il y est allé. Est-ce que c'était lui qui était le plus approprié, parce que c'est une autorité, une haute autorité du pays, qui est du domaine de la, du législatif, est-ce que c'était lui qui était le plus approprié d'aller parler à la population de la sécurité de leur pays? Bon, c'est une autorité. Peut-être qu'il avait aussi la mission du président. Hein, on ne sait jamais. Bon, là, on ne va pas s'y attarder, mais nous allons plutôt analyser le message qu'il a donné à cette population. Je l'ai préparé pour vous, avant que je ne donne la parole à l'ambassadeur de l'Égypte, Jean-Marie Vianney. Je pense que le mieux, c'est de partir de ce message et de voir la situation, est-ce qu'elle a dégénéré à cause de ce message. Est-ce que, donc, c'est là que nous allons essayer d'analyser les choses. Bon, tout de suite, donc, je vous mets le message que nous allons écouter ensemble. Donc, le sénateur Modeste Bahati Rukwebo qui est allé à Goma, hein, après, donc avant, juste avant les violences, avant que les violences ne commencent, et qui a délivré un message aux jeunes, à la population jeune de Goma, et puis il s'en est suivi des violences. Voilà. Donc, suivons l'honorable Bahati Rukwebo Modeste dans son discours à Goma. Attention, qui Régulier, laissez l'espace.
Bien, je suis venu, comme vous le savez, nous sommes en vacances parlementaires, mais aussi pour soutenir l'action à nos forces armées qui sont au front. Vous savez que nous, au niveau du Parlement, nous forces de défense et de sécurité. Derrière le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, comme vous le savez, est le commandant suprême de nos forces armées, mais également de la police nationale congolaise. Nous sommes venus aussi lancer un appel pathétique à tous nos jeunes pour qu'ils puissent entrer dans l'armée, parce que nous avons besoin de leur force, de leurs énergies, pour que nous puissions pacifier une fois pour toutes notre pays. Vous le savez, la communauté internationale elle nous a déçus dernièrement lors du Conseil de sécurité, lorsqu'on n'a pas voulu lever l'embargo sur l'acquisition des armes par la République démocratique du Congo. Je pense que tout est clair, que le complot il est total. Voilà pourquoi nous devons nous assumer. Nous nous posons même la question de savoir si ça vaut la peine de continuer à garder la MONUSCO sur notre territoire. 20 000 personnes qui sont là depuis plus de 22 ans et on n'a pas la paix. Je pense qu'il est grand temps pour que nous-mêmes nous puissions nous assumer. La plus grande arme, c'est notre détermination, c'est la détermination de la population, la détermination de notre jeunesse. Je sais que avec cet esprit-là, avec un élan de solidarité, de patriotisme et de combativité, nous allons vaincre l'ennemi, nous allons vaincre toutes sortes d'armes, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Voilà pourquoi nous sommes venus renforcer et donner une sorte de morale aux troupes en demandant qu'elles ne puissent pas baisser de garde. Nous sommes ensemble. Merci. 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 Sisi wote tusimame na tuseme basta, wanapaswa kwenda haiko vile. Je veux dire un mot en français. Ma présence ici avec la délégation qui m'accompagne, c'est pour sensibiliser d'abord. Ma présence ici avec la délégation qui m'accompagne, c'est pour sensibiliser d'abord les jeunes à s'enrôler dans l'armée pour défendre la patrie, défendre le pays, défendre l'intégrité du territoire et ramener la paix durable. Nous tous, nous rendons d'abord grâce à Dieu qui nous a donné les sources juste en ce moment. Deuxièmement, nous nous rangeons tous comme un seul homme derrière le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Nous disons que nous allons vaincre l'ennemi, nous allons le vaincre. Nous allons gagner cette guerre. Nous devons gagner cette guerre injuste. C'est pourquoi nous nous posons la question de savoir la MONUSCO, qui jadis s'appelait Monique, comment, avec 20 000 hommes, pendant 22 ans, ils n'ont pas pu ramener la paix dans notre pays. Vous ne me laissez pas.
La paix de l'Ivoirien nous a assuré la paix, la sécurité et l'intégrité de notre territoire. La détermination, c'est plus que les armes. Même si la communauté internationale est complice dans ce qui nous arrive et nous empêche même de commander les armes pour nous défendre. Maintenant, nous-mêmes, nous allons nous défendre avec les armes de bord. Voilà donc le discours, enfin un extrait du discours de l'honorable Modeste Bahati Lukwebo qu'il a délivré à Goma et qu'il a délivré aux jeunes à la rue qui étaient venus l'accueillir, un nombre comme on l'a vu. Est-ce que l'ambassadeur d'Agrimane Jean-Marie Vianney, ce discours, c'est un discours enflammé, c'est un discours vraiment à parler à une jeunesse. Est-ce que ce discours, d'après vous, dit par le président du Sénat, parce que l'honorable Modeste Bahati Lukwebo n'est autre que le président du Sénat de la RDC. Ce discours est très important. Il devait être accueilli absolument par ceux qui le recevaient. Est-ce que ce discours est opportun? Est-ce que ce discours a, d'après vous, quelque chose à faire avec les violences qui s'en sont suivies? Ambassadeur d'Agrimane à Jean-Marie Vianney. Je vous remercie beaucoup. À l'instar de Théobald Routier-Hunza, je demanderai, non pas une minute de silence, mais quand même, je demanderai qu'on ait aussi une pensée pour les victimes congolaises qui ont été abattues sur le territoire de leur pays par la force des Nations Unies dans ce pays. Parce que c'est ce qui s'est passé. Il y en a qui sont morts fusillés dans le nord et d'autres qui sont morts parce que des agents, plutôt des militaires de la MONUSCO, pour barrer la route aux citoyens congolais qui marchaient, eh bien, ils ont carrément fait tomber les poteaux d'électricité et les gens ont été électrocutés. Donc, il faut vraiment avoir une pensée très profonde pour les citoyens congolais qui sont morts dans ce genre de circonstances, surtout que la MONUSCO n'en est pas à son premier forfait. Donc, pour moi, les paroles du sénateur, du président du Sénat, Bahati Lukwebo, étaient non seulement opportunes, parce qu'il n'a pas appelé à la violence, hein, mais elles étaient attendues par la population locale, en fait. Parce que contrairement à ce qu'on pense, il n'est pas tombé dedans comme ça pour dire, voilà, la MONUSCO devrait partir. Non, c'est un sentiment qui prévaut à toutes les sphères de ce pays, au niveau de la population locale d'abord. Rappelons-nous d'abord que Bahati Lukwebo, c'est un enfant du pays, je veux dire, il est originaire de Katana. C'est un jet de pierre de chez nous, c'est un kivoussien, un pur sang. Je vois la carte aérienne de Bukavu derrière vous. Oui, c'est voilà, exactement. C'est pas très loin de Bukavu, hein. Donc c'est vraiment. Moi, je suis en face, de l'autre côté, et lui, il est de l'autre côté, un peu plus loin que chez Mukwege d'ailleurs, à Panzi. Donc c'est quelqu'un qui connaît la situation. C'est un élu local d'abord, et puis maintenant, il est à un niveau national, président du Sénat, et il a des grandes responsabilités. La MONUSCO, pour beaucoup qui ont suivi le comportement de cette force, la MONUSCO n'a pas fait beaucoup de choses qu'on peut qualifier de positives ou de. Elle n'a pas connu de résultats positifs. Parce que depuis plus de 20 ans qu'elle est là,
il y a eu plus de morts de civils que jamais, alors qu'elle était là pour justement soulager les populations congolaises. Les gens continuent de mourir devant les yeux des soldats de la MONUSCO. Théobald Routy nous a évoqué 94 au Rwanda, eh bien c'est exactement la même chose. Sinon pire, parce que là on parle de plus de 20 000 militaires aguerris, bien équipés, et qui sont là, qui savent pourquoi ils sont là, pour protéger la population locale, eh bien, au contraire, les rebelles passent, vont et viennent, massacrent et repartent. On ne nous a jamais montré des rebelles arrêtés par la MONUSCO après leur forfait ou pendant leur forfait. Donc, politiquement, moi j'ai tendance plutôt à comprendre tout à fait le bien fondé du discours de Bahati Lukwebo qui s'adressait à son peuple. En plus, la réalité va tellement vite que vous allez voir, hein, peut-être sous 24 heures, je sais qu'à Kinshasa, il y a des discussions très très sérieuses pour que la MONUSCO parte. Elle a bien sûr donné une sorte de calendrier pour le départ, mais les Congolais veulent que la MONUSCO s'en aille. Permettez-moi de vous appuyer, d'appuyer votre idée, ambassadeur d'exil de Jean-Marie Vianney, sur les responsabilités et les échecs et les frustrations de la population congolaise aussi. Donc les échecs qui font vraiment que la situation est le ras-le-bol de la situation des Congolais. On ne peut pas dire que la MONUSCO n'a pas eu de moyens. Les moyens qui lui manquent, elle a plus de moyens que la moyens congolaise. Que soient les moyens en armes, que soient les moyens en personnel, que soient les moyens légaux, parce que si nous nous souvenons bien, je crois que c'est la seule mission des Nations Unies, non, c'est pas la seule, hein. Je pense qu'il y en a eu d'autres, mais qui ont bénéficié quand même, très peu de missions qui ont bénéficié de l'article 7, l'article qui les autorise à se défendre en utilisant leurs armes, ce qui n'était pas le cas au Rwanda. Ce qui, bon, c'est pas pour les dédouaner de leurs échecs aussi, hein, c'est du Rwanda, mais je parle des échecs de la MONUSCO qui ne sont pas compréhensibles ni de la part de la population congolaise, ni de la part des observateurs un peu en recul. C'était donc pour appuyer votre idée que le ras-le-bol de la population est quelque part compréhensible. Et il y a autre chose, hein, il n'y a pas que le massacre des populations civiles, les massacres quotidiens de populations civiles par les ADF, par le M23, par d'autres organisations rebelles. Il y a aussi que la MONUSCO, au lieu justement, c'est peut-être ça d'ailleurs qui l'a distrait de sa mission, hein, la MONUSCO participe directement au pillage des ressources minières de la RDC. Cela est connu. Elle a été prise en flagrant délit à plusieurs reprises. Les camions de la MONUSCO ont été, par moments, contrôlés et à bord de ces camions, on a trouvé du cobalt, du coltan et d'autres minerais vers le Rwanda ou vers l'Ouganda. Donc, certains en sont venus même à se demander si la MONUSCO ne travaille pas avec les rebelles pour faciliter leur entrée, laisser passer le Rwanda aussi pour que, vous savez, quand vous voyez des discussions, des sortes de fraternisation entre la MONUSCO et l'armée rwandaise, la MONUSCO qui va rencontrer le général chef d'état-major de l'armée rwandaise à Gisenyi, qui passe une journée à boire ensemble, dans quel cadre le Rwanda est-il concerné par la MONUSCO? Et c'était à un moment où justement il ne fallait pas. Ça a été vu par les Congolais et considéré par les Congolais comme de la provocation. Au moment où le Congo accuse le Rwanda de s'être lancé dans cette guerre, dans cette agression, c'est là que la MONUSCO va à Bukavu, plutôt à Gisenyi. Et les images, on a vu les images, hein,
entre les officiers de la MONUSCO en train de fraterniser. Je ne dis pas qu'il ne faille pas le faire, mais je ne vois pas le cadre. En quoi la MONUSCO concerne-t-elle le Rwanda et vice-versa? Et ça, en ce moment précis, où les Congolais considèrent que le Rwanda a conquis et occupe une partie de son territoire et de leur territoire, évidemment pour les Congolais, c'est inacceptable. Il faut bien suivre. On y reviendra, si vous le permettez, ambassadeur de Guizima, Jean-Marie Vianney, mais j'ai encore une petite sous-question encore à vous poser avant que je donne la parole à M. Théobald Rutirunza, qui a aussi raison quand il dit que les paroles ne sont pas si soft que ça. Hein, si on les analyse bien, il y a quand même, surtout quand il dit basta. Je ne sais pas pourquoi il a dit en kiswahili alors qu'il avait dit le reste en français. Tusimame basta. Tuambie wakende kwao. Donc, c'est clair. C'est clair. Lui aussi, il se met dedans. Il les invite à... C'est tout à fait ça. Mais il faut distinguer les deux occasions. La première fois, il parlait, il était entouré des officiers avec le général qui dirige la région. Il y avait d'autres personnalités que vous avez pu reconnaître, hein, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Et donc, il s'adressait au public international en français. Et lorsqu'il est monté à l'étage pour haranguer la population, le grand public de Goma, naturellement, ça ne pouvait se faire qu'à Lingala parce que ces gens-là ne parlent pas tous français. Là, il parlait à son peuple et il a dit de façon ouverte et claire en swahili parce que c'est la langue locale. Ceci dit, on peut se demander aussi quand même, est-ce que Modeste Bahati-Lupembo, que l'on connaît, sage, c'est un homme très très prudent. C'est pourquoi il a pu gravir les échelons jusqu'à à la tête du Sénat. C'est un homme très prudent. On va le juger par ça. Qu'il ne l'a pas dit sans l'assentiment de son chef. Il faut savoir que Bahati-Lupembo, c'est quand même la deuxième personnalité du pays. S'il arrivait quelque chose à Tshisekedi, constitutionnellement, c'est Bahati-Lupembo qui prendrait la tête du pays. Donc, il sait de quoi il parle. Il est avec un général. Il sait que les militaires congolais aussi souhaitent réellement. Ça les libère. Vous savez, au Rwanda, la mine noire a fait perdre la guerre aux forces armées rwandaises. Alors pourquoi le monde entier... C'est après qu'on a compris. Mais si la mine noire n'avait pas été là, peut-être que les phares n'auraient pas perdu la guerre. Sincèrement. Il y a beaucoup... Enfin, on y reviendra peut-être dans une autre émission. Mais ces forces... Je me rappelle dans les années 60 à Bukavu, il y avait... L'ONU, on les appelait Malaya, nous on ne savait pas ce que c'était que l'ONU Malaya, on croyait que Malaya ça voulait dire des coureurs de jupons, non, ça voulait dire Malais, c'était des Malaisiens en fait, ils venaient de Malaisie pour la plupart, ils ont fait les mêmes dégâts à Bukavu, l'ONU a fait les mêmes dégâts dans le Katanga, à l'époque de, bon, il y a eu tellement de passés malheureux, qui fait que les Congolais sont très prudents. Maintenant, comme je vous le dis, les délais prévus pour le retrait de la MONUSCO ne seront pas respectés. Et s'ils sont respectés, moi je crois qu'il y aura une crise entre les autorités congolaises et l'ONU, parce que tout le monde à Kinshasa, depuis ce matin, je savais qu'une décision importante serait prise pour demander à la MONUSCO de partir tout de suite. Justement, vu comment les choses ont évolué, effectivement, c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose d'imprévu, donc considérant les... Mais revenons
Sachant que le secrétaire d'État américain va arriver d'ici quelques jours, est-ce que ça peut changer la donne ou faire attendre l'opération? Je ne sais pas. On verra bien. On verra bien, ambassadeur Guizman n'a jamais vienné. Je voudrais souligner que les mots tels qu'ils ont été prononcés par l'honorable Modeste Atilukwebo ont été considérés, même bien avant les violences, ont été considérés par pas mal d'observateurs internationaux que ces mots étaient incendiaires. Ce n'est pas moi qui le dis. Et même les journaux, les radios, les médias internationaux ont vraiment... j'ai ici la RFI qui même a interrogé l'honorable Modeste Lukwebo qui, évidemment, en réponse, je vais vous passer la réponse qu'il a donnée à son média. Je ne sais pas s'il y a d'autres médias qui l'ont interviewé, hein, mais la RFI l'a interviewé et il a répondu comme suit. Les appels au calme se multiplient en République démocratique du Congo au lendemain d'un troisième jour consécutif de manifestations contre la mission des Nations Unies. Le bilan est lourd, au moins 20 morts parmi les personnalités qui appellent à l'apaisement. Modeste Bahati Lukwebo, le président du Sénat, avait pourtant appelé au départ des casques bleus, mais interrogé par Claire Fage, il assure avoir été mal compris. Le message principal, c'est d'inviter la population au calme. Nous comprenons les frustrations de la population, mais nous devons les exprimer dans le respect des droits humains, de la dignité humaine, mais également, surtout, ne pas s'attaquer au patrimoine et au personnel des Nations Unies. C'est-à-dire que le message, on peut le passer, mais il faut éviter la brutalité, il faut éviter les violences. Et là, nous condamnons les violences, d'où qu'elles viennent, de part et d'autre. Est-ce que ces réactions de la population n'étaient pas prévisibles? Il y a eu des appels à ce que la MONUSCO s'en aille du pays, et vous avez d'ailleurs été l'un de ceux qui appelaient la MONUSCO à partir. J'ai été mal compris. Je n'ai pas dit qu'il fallait qu'on puisse les chasser de la manière que l'on observe maintenant. Pas du tout. J'ai dit... Voilà, je me pose la question. Appel au calme suivi d'une nouvelle polémique suite aux incidents d'Ouvira hier dans la ville du Sud Kivu. Quatre manifestants ont perdu la vie électrocutés. Le gouvernement congolais accuse les casques bleus d'avoir provoqué la chute d'un câble électrique avec des tirs de dispersion. Une version démentie. Voilà, donc c'est la RFI qui lui posait la question. Certainement qu'il y a d'autres médias aussi qui n'ont pas posé des questions à l'honorable Lukwebo, mais en tout cas, les journaux écrits, ils l'ont écrit. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, il y a quand même dans ces propos, quand on dit à la rue, venez, levons-nous. Hein? Allons les chasser. Disons, basta, hein? On va les chasser, on va les renvoyer chez eux. Je ne pense pas que ce soit des propos, parce que les propos des officiels, vous avez comparé avec la situation avec le Rwanda, nous avons aussi eu des propos des officiels qui ont dit, même, qui ont parlé des choses, qui ont lancé des propos, même parfois plus soft que ça, mais qui ont eu des effets quand même assez destructeurs. Monsieur Théobar Utirunza, je viens à vous. Ces propos et la réponse
de l'honorable Lukwebo, c'est, je pense que quand il dit qu'il n'a pas été bien compris, hein, que ce n'est pas ce qu'il a voulu dire de s'attaquer aux infrastructures de l'ONU, et qu'il a été mal compris, est-ce que son discours est vraiment innocent dans tout ça, dans tout ce qui s'est passé par après, comme il veut le faire croire à la RFI, d'après votre son de voir les choses, quoi. Justement, je voudrais qu'on revienne un peu sur le cadre de son discours. Monsieur Bahati Lukwebo, enfin, l'honorable Bahati Lukwebo, était en mission officielle, vu les personnalités qu'il accompagnait. Il était en délégation, il a été accueilli par le personnel d'Ogoma, et il a été accueilli par une liée d'honneur militaire, donc il était en mission officielle, et comme le disait monsieur l'ambassadeur, ce qui est dit n'était pas ignorant de ce déplacement. Donc c'est une mission officielle, et il a défini le cadre de cette mission. Il a dit, moi je viens pour sensibiliser les jeunes pour qu'ils regagnent l'armée. Mais il est, ce terme sensibiliser ne veut pas dire mobiliser. Quand on sensibilise, on parle aux âmes, on parle aux émotions, aux frustrations qui étaient en cours. Donc il venait plutôt mettre le doigt sur les frustrations de ces jeunes qui se voyaient tués, qui se voyaient mal protégés, qui n'étaient... Donc, il a touché directement leur cœur. C'était venu mobiliser, ça aurait été différent. Mobiliser, là, c'est parler du... Enfin, comment on peut lever, comment on peut lever les armées, comment transformer ces jeunes, même désœuvrés ou œuvrés, en une armée forte, capable de battre, capable de repousser toutes les attaques sur la RDC. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, je viens sensibiliser. Ce mot veut dire ce qu'il veut dire, c'est parler au sens. Parler aux frustrations, comme je le disais. Donc, les jeunes ont compris justement qu'ils avaient raison de faire ce qu'ils avaient l'intention de faire. C'est-à-dire qu'il a enfoncé des portes ouvertes. Et là, ce que je disais au début, il y a un cadre pour dire, même pour faire des reproches. Parce que normalement, il sait que ces jeunes ne sont pas plus forts que l'enceinte du Sénat. Il sait que ces jeunes sont, par rapport au gouvernement, n'ont pas de décision à prendre. Comme le dit l'ambassadeur, même les délais prévus seront peut-être écourtés, mais ça ne dépendra pas de ces jeunes, ça dépendra de décisions d'en haut. Alors, pourquoi ne pas utiliser, pourquoi venir en bas, pourquoi ne pas sensibiliser plutôt le Parlement, le Sénat, sensibiliser les ministres pour qu'ils parlent de cette histoire. Parce que tout le gouvernement est silencieux par rapport à ce qui se passe à l'est du Congo. Il est silencieux, il ne dit rien, il doit filtrer. Donc, tout le monde, je crois qu'il s'est auto-censuré quand il s'agit de parler de la question du Congo. Ils étaient, vous avez raison, ils étaient pratiquement muets lorsque ces violences se sont passées, hein, parce qu'on n'a pas vu vraiment les autorités
dire non aux jeunes, arrêter tout ça. Hein. Le gouvernement a été muet et il est sorti de son mutisme lorsque, pour condamner en fait la MONUSCO qui avait tiré sur les jeunes et qui a fait des morts, hein, là où on est avec ce qu'a dit l'ambassadeur d'Égypte, Jean-Marie Vianney, même muni de l'article 7, je crois que l'utilisation de son arme vers des civils non armés, là, on y reviendra. Est-ce qu'ils étaient non armés? Est-ce qu'ils étaient là? C'est autre chose. On ne va pas faire un tribunal ici, mais on se pose la question de savoir si les gens de la MONUSCO ont réellement tiré, voulant tuer ces jeunes sans qu'ils se soient vraiment sentis en danger. Ça, c'est autre chose. Donc, quand justement vous évoquez la MONUSCO, là, j'ai parlé de son échec patent. C'est dommage que justement les forces des Nations Unies essuient des échecs partout où ils vont opérer. On ne connaît pas une opération qu'ils ont dirigée, sauf peut-être en 2013. Et là, je ne crois pas que c'était eux, c'était les Sud-Africains, les Tanzaniens et je crois les militaires du Malawi qui ont fait face au M23. Mais la MONUSCO, comme terre, ou la, je ne sais pas, avant, elle a continué à commettre, à multiplier des échecs, à les enregistrer, plutôt à se lancer dans l'exploitation dans l'exploitation des ressources minières, parce que plusieurs véhicules de la MONUSCO ont été attrapés transportant des cassitérites et d'autres pierres précieuses. Donc, là, en termes de corruption, en termes de fraude, en termes de viol, en termes de comportement désagréable, là, ils ont battu leur record. Et là, ils devaient être sensibilisés, plutôt ils devraient être sanctionnés. Et là, c'est la question, c'est pourquoi le gouvernement qui voit faire tout ça tolère cette situation. Il ne dit rien, il est silencieux, et même ceux qui essaient d'en parler sont très mal vus par ce gouvernement. Je ne crois pas que le docteur Mukwege ait été soutenu jusque-là par son gouvernement. On voit très bien que toutes les bonnes volontés qui s'offrent pour justement envisager une paix durable dans ce pays, eh bien, ils ne sont pas compris. Personne ne les regarde. Et là, d'un coup, Bahati Okwebo arrive à Goma. Bon, moi, il m'a donné l'image de son collègue du Kivu, l'ancien président du Sénat, je crois, qui s'appelle, qui encore, il était président de l'Assemblée, celui qui était en prison tout récemment. L'ancien secrétaire, plutôt chef de bureau, chef de cabinet du président. Vital Kamerhe, voilà, merci beaucoup. Vital, il m'a étonné, comme ce Vital Kamerhe, quand je l'ai vu débarquer dans les noces du fils de Kawerebe, offrir 30 vaches à cette famille-là. Ça m'a surpris. Et là, je savais que Kamerhe, avant, s'était opposé plutôt à l'entrée des soldats rwandais au Congo. Et
le changement qui est intervenu entre-temps m'a surpris qu'il aille au Rwanda accompagné d'un troupeau de 30 vaches ressemble très fort à son discours, à son fameux discours incendiaire de Bahati qui vient s'adresser aux gens de son fief. Allez, soulevons-nous, allons. Mais de Kinshasa, pourquoi il n'a pas dit à Kinshasa pour venir le dire à Goma? Et les décisions se prennent à Kinshasa et il vient le dire à Goma. Qu'est-ce que les Gomawatraciens ont à faire avec... Il y a lieu de se poser de questions. Vous avez raison. Là, je ne suis pas d'accord avec les cadres politiques congolais. Là, ils sont franchement des corrompus. On ne sait pas pour qui ils roulent. Et ils font des bêtises que à la hauteur de celles commises par la MONUSCO. Vous faites bien d'évoquer cet état de choses parce que vous n'êtes pas le seul, M. Théobard Otihunza. Il a été démontré que des officiels congolais, parmi les officiels congolais, il y en a qui soutiennent et qui ont même créé parmi les 130 milices qui ravagent l'est de la RDC, il y en a qui ont été créés ou soutenus par certains officiels congolais qui les utilisent pour soit les exploitations des minerais, soit pour... dans la situation telle qu'elle a été, il est difficile de pointer du doigt l'un et de traiter de saint l'autre parce que cette situation, si elle a dégénéré, c'est qu'il y a des raisons. Et les officiels congolais, ce ne sont pas tous, hein, certains d'entre eux, en tout cas, ont réellement, il a été éprouvé. Je n'ai pas préparé les éléments ici qui le démontrent, mais certains, ils soutiennent des milices. Ils mettent des embûches contre les actions, soit des FARDC, soit du gouvernement. Ce n'est pas des ragots, c'est pas des, il a été éprouvé. Et si l'honorable Modeste Lukwebo Bahati a prononcer un discours qui a été compris de manière différente. Comprenez que chacun a le droit, compte tenu de la situation, des réalités, comme nous venons de les évoquer, M. Théobard, comme il vient de l'évoquer, certains peuvent douter. Mais quoi qu'il en soit, revenons dans notre sujet. On sait que la MONUSCO, ce n'est même pas une parenthèse, on sait que la MONUSCO devrait partir complètement du Congo en 2024, que le processus de départ avait commencé, qu'il y avait eu l'engagement du gouvernement et du Parlement, certainement, congolais. Ils le savent bien que et M. Bahati Lukwebo le sait bien parce qu'il est président du Sénat. Ils savent bien que la MONUSCO est en partance. Le fait d'avoir devancé cette date, que lui-même, quand je parle de lui-même, je ne sais pas si c'est lui ou moi qui a signé, donc, quelle institution qui représente, en tout cas, a signé avec l'ONU et qu'il s'en va dire aux jeunes, voilà, levons-nous, soulevons-nous, disons
ça suffit. Et qu'ils partent chez eux en le disant à des jeunes échauffés par les frustrations, des jeunes échauffés par, évidemment, est-ce que, comment peuvent l'interpréter ces jeunes? Il dit, j'ai pas été bien écouté. Mais on sait que par expérience, nous les Rwandais, nous le savons bien, parce que nous avons vécu les politiciens qui ont échauffé les jeunes, qui les ont lancés dans les actes de violence. Parfois en utilisant les mots pas directs ou pas aussi, mais les jeunes, quand ils sont dans ces frustrations, quand ils sont dans, il faut vraiment, quand on est politicien, je pense qu'on a intérêt à choisir les mots et les mots qui tendent vers l'apaisement et non... Enfin, ambassadeur d'Aiximan, Jean-Marie Vianney, est-ce que vous persistez à dire que l'honorable Modeste Bahati Lukwebo a prononcé un discours vraiment approprié? Non, ce n'est pas que je persiste, mais c'est que je pense qu'il y a aussi une erreur de traduction, parce que tous les trois, je suppose qu'on parle Swahili. J'ai écouté la déclaration du sénateur Lukwebo. Il n'a pas dit « allez chasser la MONUSCO », non, il a dit « ça suffit comme ça ». Ça suffit, je vous invite à vous faire envoyer dans l'armée. Et Baroudi et Kouabo, ils n'ont qu'à retourner chez eux. Mais il n'a pas dit « faites-les retourner chez eux ». Maintenant, effectivement, les gens peuvent comprendre ce qu'ils veulent. Mais lui, il a sans doute fait de bonne foi, d'ailleurs c'est ce qu'il répète à RFI. RFI qui a fait un reportage très injuste sur cette problématique, qui défend la MONUSCO tout le temps, qui condamne les jeunes de la Lucha et des autres de la société civile. J'ai suivi un reportage de RFI, en fait, qui défend la politique française dans la région. Il faut dire les choses aussi. Et donc, moi, je pense que ce que le président du Sénat, Lukwebo, a dit et fait, ça relève de la politique nationale des Congolais qui savent ce qu'ils font. C'est leur pays, après tout, qui est en guerre. Ce sont leurs citoyens qui meurent. Si on devait analyser la situation, ce serait plutôt de voir au fait que fait la MONUSCO et à quoi elle sert. Vous savez, la MONUSCO, elle compte plus de 20 000 effectifs. C'est la force la mieux armée. Vous avez dit tout à l'heure, cher Simonga, que la MONUSCO a été créée au titre du chapitre 7. Donc, elle peut utiliser la force pour défendre la population. Et elle ne le fait pas. Pourquoi pensez-vous que si la MONUSCO était efficace et si la MONUSCO faisait son devoir, pourquoi a-t-on dû faire venir les Ougandais? 2000, je pense, deux bataillons, je m'en tiens à ce qui a été annoncé, deux bataillons d'Ougandais, certainement bien équipés aussi, et la MONUSCO est là. 20 000 hommes de la MONUSCO est présente sur les lieux. Il y a les troupes de l'East African Community aussi qui doivent... Non, pour l'instant, je parle de la MONUSCO. Ces troupes-là, voilà, les troupes de l'East African Community vont venir. Oui, justement, je voulais dire que... Elles vont s'ajouter. En plus de la MONUSCO, il y avait d'autres troupes qui étaient prévues pour s'y et ajouter. Et que fait la MONUSCO si on doit faire encore venir des Kenyans, des Ougandais, des Burundais et autres? Que fait la MONUSCO? À quoi elle sert, en fait, sur le terrain? Si les ADF doivent continuer à tuer, est-ce que la MONUSCO a chassé les ADF? Est-ce que la MONUSCO a s'est battue une seule fois contre le M23 de façon visible? Au contraire, il y en a même qui disent que la MONUSCO s'interposait pratiquement en faisant semblant de se battre contre le M23, mais qu'elle empêchait l'armée congolaise de faire son travail. 20 000 hommes sur le terrain, avec des chars, des autos blindés, des avions. Mais attendez. Et on doit faire venir 2000 Ougandais, sinon moins d'ailleurs. Pourquoi faire? Ce que les 2000 Ougandais peuvent faire,
pourquoi les 20 000 effectifs agents de la MONUSCO sur place, qui sont là depuis une vingtaine d'années, qui connaissent les lieux, pourquoi ils ne le feraient pas? Donc, s'ils ne le font pas, c'est qu'ils ne servent vraiment à rien. Quant à penser que si la MONUSCO se retire, les Congolais ne pourront pas faire face, non, moi, je ne crois pas. Justement, lorsque vous empêchez quelqu'un ou que vous faites semblant de l'aider alors que vous ne le faites pas, vous leur amollissez. Les Congolais pensent qu'ils sont protégés par la MONUSCO alors qu'elle ne le fait pas. Autant les laisser, ils sont adultes, ils veulent que la MONUSCO parte. Eh bien, je pense que les autorités au plus haut sommet... Nous sommes tous d'accord avec vous, Ambassadeur de Guizimana, Jean-Marie Vianney. Ce que disent les Congolais, je pense qu'il faut respecter les Congolais dans leurs décisions, dans leurs déclarations. Eh bien, si la population de Goma, de Beni, de Butembo et de toute la région sont furieux parce qu'ils ont vu la MONUSCO en face du M23, la MONUSCO a laissé le M23 prendre Bunagana. Et ça, c'est inacceptable. On parle d'un pays indépendant et souverain. Donc, c'est inacceptable, ambassadeur. Un président du Sénat a le droit aussi de... Nous déplorons et nous avons la regrettable expérience, malheureusement, avec la mine noire. Nous l'avons bien expliqué. Ben oui. L'inefficacité de ce système. Quand on parle des Ougandais, ils sont venus avec une autre mission, avec d'autres, évidemment, une autre discipline, une autre, c'est pas dans le même cas, mais parlons surtout de l'attitude des uns et des autres, tout en respectant, comme vous le dites. Tiens, j'ai oublié un élément pour compléter ce que Théobald et vous avez dit, que le gouvernement congolais était silencieux. Non, le jour même où le docteur Mukwege s'est exprimé en lançant un appel aux Congolais, aux citoyens du Kivu, en leur demandant de ne pas commettre de violence. À Kinshasa, le ministre Patrick Muyaya a fait aussi une déclaration allant dans le même sens. Après. Oui, mais enfin, qui a fait avant, ou alors qu'est-ce que nous on a appris avant? Mais entre-temps, il y avait eu même le président Tshisekedi s'est exprimé d'ailleurs. Hein. Après. Restons sur les faits. De toute façon, les violences à l'est du Congo, c'est la rue qui les a commencées. Ce n'est pas le MONUSCO qui les a commencées. Je voulais qu'on avance parce que l'heure aussi avance. Jean-Marie, le porte-drapeau d'un pays ne se place pas en arrière. Il est à l'avant, tout au fond. Non, mais Mukwege étant à Bukavu, il apprend des choses qui se passent à Bukavu avant Kinshasa. Nous sommes dans un pays énorme. Qui s'est quédé partout au Congo. Oui, Si vous voulez bien, laissez-moi introduire. Sincèrement, parce qu'ils ont beaucoup de choses. Ils ont un poids énorme face à tout ça, face aux pays occidentaux, face à la MONUSCO, face au Rwanda, qui est protégé par toutes ces puissances-là. Face à l'Ouganda qui fait le malin, vous savez, ce n'est pas une tâche facile à Kinshasa, on n'a pas une tâche facile. Face aux appétits, ils sont tiraillés. Face à la France, disons-le aussi. C'est un fait. Mais si vous le voulez bien. Ils sont en guerre, quoi. En deux mots, ils sont en guerre. Restons sur les faits et essayons de comprendre, aidez-nous à comprendre. Ce qui s'est passé réellement. Parce que la rue, après avoir entendu ce discours et tant d'autres, certainement, qui ne viennent pas de si haut, mais quand même, il y a eu des gens qui ont incité ces jeunes à commettre ce qu'ils ont commis. Et ces jeunes, c'est eux qui ont commencé à attaquer. D'abord doucement la MONUSCO petite manifestation, on se disait ils sont en droit, tout le monde se disait voilà, ces jeunes ils en ont ras le bol, ils sont dans leur droit, mais par après
si la MONUSCO a dû se défendre énergiquement, c'est qu'ils ont trouvé que ces jeunes, en fait, étaient aussi dangereux que ils ne le... Non. Ces jeunes n'étaient pas armés. C'était des citoyens libres qui demandaient le départ de la MONUSCO. Ils n'étaient pas armés. Ils ont commencé à être violents, d'ailleurs, à Goma, lorsque la MONUSCO a commencé à tirer. Au départ, ils n'étaient pas armés. Mais plus tard, j'ai ici plein d'enregistrements que j'ai écoutés des heures et des heures. Et ils ont, semble-t-il, tiré sur les agents des Nations Unies. Et quand on leur a posé les questions à ces jeunes-là, ils ont dit non, c'est pas nous. Il y a eu des gens du Mai Mai machin. Non, j'ai les enregistrements ici. Hein. Je ne peux pas dire des imbécilités à la radio. Vous seriez étonné de savoir que, d'après certaines sources à Goma, ceux qui ont tiré venaient du Rwanda, sur la MONUSCO. Possible, mais est-il que, moi, je dis, basons-nous sur les faits. Et une fois que la MONUSCO a trouvé que ces jeunes gens n'étaient pas aussi innocents, ou, enfin, ils revendiquaient le droit, évidemment. Et la MONUSCO était tout à fait conscient et d'accord qu'ils en ont droit. Mais c'est plus tard que la situation, justement, a dégénéré, quand il y a eu des tirs qui sont sortis de j'ai ici les témoignages de la MONUSCO, j'ai ici les témoignages de la société civile qui dit qu'ils étaient surpris de voir que parmi eux, il y avait des gens avec des fusils qui ont tiré sur la MONUSCO. Je parle des faits. C'est là que la situation a dégénéré. Elle a dérapé. Hein. En oui. fait, il y a pas eu, ça n'a pas vraiment oui, dégénéré. Merci, merci pour le mot. En bataille rangée, ça a dérapé. La MONUSCO a dérapé, les jeunes ont dérapé, et puis ça s'est arrêté. Mais merci ça n'a pas dégénéré. Ça ne s'est pas arrêté, parce que c'est descendu même jusqu'au sud Kivu. Je ne dirais pas que ça s'est arrêté, non. Au sud Kivu, ils sont morts aussi. De la MONUSCO. D'ailleurs, dégénéré aussi, on peut le dire. Hein. Dites-moi, Aloïse. Et si on se demandait... Avec le zèle, écoutons Monsieur Théobald. Avec le zèle du pouvoir congolais, les manifestations de rue ont profité aux tireurs d'officiels. Là, les opportunistes qui attaquent le Congo, eh bien, en ont profité pour justement serrer leur rang et desserrer ceux de leur ennemi. Et là, ce n'est pas une tactique spéciale, c'est juste ce qui se passe. Donc, ces manifestations ou ces troubles entre les jeunes Congolais et la MONUSCO ont profité à qui? Ils ont profité à ce qui les agressent ensemble ou à ce qui agresse une partie d'eux. Donc, les tireurs d'officiels seront ces opportunistes qui veulent que le Congo n'ait pas de paix, en ont profité. Et il y en avait. Donc, ce n'est pas le moment de s'entre-déchirer quand ça ne marche pas. Comme je le disais, le gouvernement, le Parlement, le Sénat ont les moyens appropriés, juridiques, et autres pour finir cette histoire. Mais pourquoi venir y mêler des gens qui ne sont pas concernés si ce n'est justement donner des moyens de perdre la guerre, de perdre le... Enfin, là, ils ont donné ils ont pu couper le bâton, les bâtons qui les ont frappés avec lesquels ils sont frappés maintenant.
Donc, vous avez raison, c'est une situation qui n'a pas certainement profité au gouvernement congolais, ni non. Nous en avons fait l'expérience, partons de ce qui s'est passé au Rwanda. De toute façon, les troubles qui se sont déroulés au Rwanda, ils ont contribué en tout cas à affaiblir l'armée qui était au front. Ça ne peut pas être autrement au Congo. D'ailleurs, les rues qui se battent, donc les combats de rue, des violences, ils vont focaliser l'attention des médias, d'abord du gouvernement congolais, puis des médias. Maintenant, on ne sait même plus ce qui se passe au front, au vrai front. Il y a quelqu'un qui en a profité, qui est passé justement à travers ces troubles, et on peut se poser la question, est-ce que ce n'est pas lui qui aurait fait que les choses ont dégénéré? Jean-Marie Vianney, qu'est-ce que vous nous analysez sur cette situation telle qu'elle a été vraiment en parlant des faits? Effectivement, vous avez raison, c'était ça aussi le risque. Hein. Mais je pense que les choses ont été bien gérées pour finir. Hein. Parce que le larron, le troisième larron qui attendait que tout saute à Goma, que la population casse les magasins, que la population s'attaque une nouvelle fois à la frontière avec le Rwanda et que tout bascule et dégénère cette fois-ci, eh bien, il n'a pas vu venir la gestion de l'affaire par Kinshasa parce que, en réalité, tout le monde aujourd'hui à Kinshasa remercie les jeunes qui ont fait ces manifestations. Non pas pour soutenir qu'il y ait eu des morts, non, mais pour reconnaître que les manifestations de Goma, de Beni, de Butembo, de Vira et d'ailleurs, à Bukavu, il y avait des mouvements aussi. Et bien pour reconnaître que toutes ces manifestations ont constitué une sorte de catalyseur pour qu'on reparle vraiment, cette fois-ci, face à face, du rôle de la MONUSCO. Et il y a une évidence, c'est que la MONUSCO ne sert pas à grand-chose. Pas en tout cas pour la paix dans la région de l'Est du Congo. Au contraire, les choses se sont aggravées jusqu'à ce qu'on pense faire venir des troupes africaines en sus de ce qu'il y a comme présence onusienne. Et donc, pour finir, moi je pense que la problématique à laquelle on devrait réfléchir, c'est de se demander qu'est-ce qui va se passer là tout de suite si la MONUSCO devait se retirer. Bon, elle ne se retire pas en un mois parce qu'il y a des problèmes logistiques, il y a des problèmes diplomatiques, il y a d'autres soucis de sécurité. Je pense que les Congolais vont commencer à réfléchir et à penser aux solutions alternatives, c'est-à-dire augmenter le nombre des effectifs de l'armée nationale, des FARDC, à envoyer à l'est du Congo, recruter, comme Lukwebo l'a dit, et éventuellement chercher d'autres aides, autres que les Nations Unies, parce que cette solution n'a pas marché au Congo depuis 60 jusqu'à aujourd'hui. Donc, moi, je suis convaincu que les choses vont aller vite. Que les choses vont aller vite. Bon, nous le souhaitons que ça aille vite et que ça aille dans le bon sens pour nos amis. Justement, c'est ça qu'il faut essayer de résoudre comme problématique. Est-ce que le retrait de la MONUSCO créerait un vide ou un appel d'air? À qui? Qui n'a pas profité de la présence de la MONUSCO, d'ailleurs, pour entrer au Congo? Là, au moins, les Congolais n'auront pas d'excuses. Ceux qui ont demandé le départ de la MONUSCO, ça suppose qu'ils aient les moyens de faire face à l'adversaire seul, puisque de toute façon, ils sont seuls à se battre contre le M23 et contre le Rwanda. Donc, les Congolais auront au moins une fois, dans cette question-là, une décision à prendre, c'est-à-dire se battre contre leurs agresseurs, sans compter sur la MONUSCO et sans compter sur les étrangers. Parce que même la venue des troupes d'Afrique de l'Est, je pense qu'elle va être réexaminée, sincèrement. Parce que sinon, c'est un problème énorme. Les Ougandais sont déjà là, 2000, soi-disant pour chasser les ADF. Mais qui sont les ADF?
Est-ce que les Ougandais ont fait la chasse réellement aux ADF? Pourquoi les ADF continuent de tuer à Beni, Butembo et ailleurs? Pourquoi? Ce sont des questions sans réponse. Et donc, moi, je pense que vous avez raison. De la déclaration de Lukebo, c'est passé, hein, c'est fini ça. Maintenant, les Congolais sont en train de voir comment faire pour que l'appel de la population, en fait, c'est une alerte. La population a lancé une alerte. La MONUSCO ne sert à rien. Au contraire, elle s'interpose, elle empêche l'armée de nous protéger. Alors qu'elle reparte chez elle, bien, maintenant, depuis d'ailleurs septembre 2021, il y avait déjà une sorte de feu de route pour le retrait de la MONUSCO, hein, signé par Lutundula et par Madame Bintou, je pense. Et donc, maintenant, il s'agira d'aller plus vite. Si ça devait prendre 4 ans, eh bien que ça en prenne 2 ou 1. Justement, voilà, c'est la question que posait Théobald. Hein, c'est la question que posait Théobald. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen que, de toute façon, c'est eux qui dirigent le pays. Il n'y avait pas moyen que le Sénat, l'Assemblée, l'exécutif aient eu à gérer ce problème sans qu'il y ait des victimes innocentes. Et parce que si nous savons qu'il y a une feuille de route pour que le départ de la MONUSCO jusqu'en 2024, mais il aurait fallu qu'une partie, l'ONU, plutôt le Congo, dise, voilà, écoutez, vous ne nous servez plus à rien, voilà, nous écourtons le délai. Il n'y a jamais eu de ces négociations, non. Il y avait des réunions... Oui, peut-être. Justement, entre tous les opérateurs, le Conseil national de sécurité, la semaine dernière, M. Lacroix, le Français qui dirige les opérations de la paix aux Nations Unies, était à Kinshasa. Ils en ont discuté, il a discuté avec plusieurs Congolais, plutôt membres du gouvernement congolais, sur cette question. Le problème, c'est peut-être qu'ils ne nous le disent pas ouvertement, mais en fait, c'était en discussion. Madame Bintou a... Après New York, il a un peu souffert à Kinshasa parce qu'on lui a reproché ses déclarations. On lui a dit que ça ne se faisait pas, que le Congo était quand même un pays souverain. Le même Lacroix qui avait, il y a quelques années, dit que la MONUSCO ne sortirait pas du Congo, lors de son dernier passage à Kinshasa, il n'a pas osé le répéter parce qu'il sait que c'est inéluctable. Bon, ce qui n'a pas été dit publiquement, nous ne le savons pas. Mais ce que nous savons, et ce qui est sûr, c'est que le gouvernement congolais, en tout cas, n'a pas dit à sa population, n'a pas dit, enfin publiquement, quoi, des déclarations. Ils ont le ministre Patrick Muyaya qui s'exprime très bien, même qui nous parle des intentions du gouvernement ou on n'a jamais entrepris, en tout cas, officiellement, et en le disant et en le montrant à la population qu'ils écourtent la mission, donc la feuille de route de départ des Nations Unies. Ce qui a été dit ou fait, c'est de soulever les mots des politiciens. Il y a les élections qui sont en vue, et on s'est dit, bon, voilà, les politiciens, eux, il y a Martin Fayoulou qui disait, voilà, on les chasse. Et on a vu le président du Sénat, l'honorable Bahati Lukwebo, qui dit, voilà, on les chasse, il y en a d'autres. C'est cela que nous avons entendu, c'est cela que la rue a entendu. Mais personne, c'est la question qu'avait posée Monsieur Théobald Otigonza, personne n'a entendu le gouvernement, personne n'a entendu le Parlement vraiment se prononcer et prendre une position là-dessus et se dire, voilà, la MONUSCO ne nous sert plus à rien, voilà, nous écourtons le délai de leur départ. Ce qu'on a vu, c'est que, justement, même les officiels, permettez-moi la tautologie,
sont descendus dans la rue. Bon, mais comme vous le disiez, ne nous attardons pas à toutes ces choses qui se sont passées. De toute façon, ce qui nous intéresse, c'est le résultat. Vous disiez à l'ambassadeur d'Aiximar, Jean-Marie Vianney, que oui, réclamer que la MONUSCO parte, c'est bien. Enfin, je veux dire, pour ceux qui le réclament. Mais est-ce que le départ de la MONUSCO, c'est la question que je vous pose, le départ de la MONUSCO est propice, donc le départ instantané, comme il le réclame, est-ce que vous qui voyez qu'il y a justement un troisième larron, comme vous l'aviez appelé, qui est en embuscade, est-ce que vous ne craignez pas que nos frères congolais puissent gérer un problème et pas un autre problème, qui est peut-être plus important. Voilà, j'attends votre analyse, parce qu'on va, de toute façon, on va vers la fin de cette émission. Sur cette question précise, Aloïse, moi je pense que ça ne sera que bénéfique que la MONUSCO parte, parce que tout à l'heure, on se disait, mais est-ce que la MONUSCO sert à quelque chose? Si elle servait à quelque chose, on ne ferait pas venir toutes ces forces étrangères, africaines ou autres, si elle servait réellement à son objectif premier et à sa mission première, avec les moyens qu'on lui a donnés, c'est-à-dire le chapitre 7, le matériel, les effectifs, une armée de 20 000 personnes. Le proverbe rwandais qui dit que tu chasses une femme qui croque des os et tu ramènes une qui les avale. Oui, mais en l'occurrence, la MONUSCO n'est pas mariée à la RDC. La MONUSCO partira. Vous savez à quoi sert la MONUSCO, entre autres? À surveiller l'armée congolaise. Dans le cadre des embargos qui sont adoptés par les Nations Unies, un peu comme la MINUAR à Kigali, surveiller les phares, mais sans jamais surveiller le FPR. Parce que le FPR, lui, se ravitaillait en Ouganda. Vous voyez, parce que la MINUAR n'avait pas la possibilité de surveiller le ravitaillement du FPR, mais avait toute la zone des phares sous son contrôle. En l'occurrence, la MONUSCO, c'est la même chose. Oui, c'est vrai. Surveille l'armée congolaise, c'est la MONUSCO qui fait des rapports pour dire que, attention, il y a eu des livraisons d'armes. Elle n'a qu'à partir, les Congolais vont se débrouiller. Et les Congolais peuvent se faire aider par d'autres. Parce que la MONUSCO ne contrôle pas tout ce qui se passe de l'autre côté de la frontière en provenance du Rwanda et de l'Ouganda. Vous voyez le drame, en fait. Les Congolais pensent que la MONUSCO les aide, mais elle les contrôle, elle fait des rapports sur les FARDC, mais sans jamais faire de rapport sur ce qui se passe de l'autre côté. De temps en temps, oui. Mais vraiment, c'est des questions. Je crois que le Congo est capable de se défendre à bien des égards. Le Congo peut avoir tous les alliés qu'il veut aujourd'hui, y compris même dans le contexte de la guerre d'Ukraine. Je pense que personne n'a intérêt à se défaire du Congo, à pactiser avec les agresseurs. On n'a qu'à espérer, en fait. Je crois que les Congolais sont en train de gérer cette affaire. Que je ne sais pas si c'était dit, mais le gouvernement congolais, il va bien gérer ça. Vous nous demandez d'espérer que le départ de la MONUSCO... Nous devons les soutenir, en fait. Oui, ça c'est vrai. C'est ce que nous sommes en train de faire. Quand nous faisons une émission comme celle-ci et que nous essayons d'analyser les choses, c'est une sorte de soutien. C'est que leurs problèmes sont en quelque sorte nos problèmes aussi. Quand la case de ton voisin brûle, amène un seau d'eau au lieu d'amener du vent pour attiser. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Aloïse. Voilà. Oui, Théobald. La présence de la MONUSCO en RDC est un frein ou est un handicap ou un grave problème à l'indépendance même de la RDC.
on peut se demander si la RDC est un pays indépendant, comme la présence d'autres armées d'ailleurs, d'autres armées étrangères qui viennent d'Afrique ou d'ailleurs. Oui. Donc, il y a des façons où il y a des moyens de recruter ou de faire venir des armées étrangères qui seront directement inféodées à la République démocratique. D'abord, la République démocratique doit se déterminer à faire sa propre armée, une armée nationale. Là, c'est le point de départ. Après avoir compris cette question d'indépendance, d'ingérence des armées étrangères, cela ne peut dire que les Congolais ne peuvent pas se faire défendre par d'autres. Ils peuvent, comme c'est un pays riche, ils peuvent profiter de sa richesse pour recruter, je dis recruter, ce qu'on peut appeler des mercenaires ou d'autres armées qui viennent l'aider. Ah, quelqu'un que vous payez, qui travaille pour vous, il est à vous, moyennant votre salaire. Mais ces militaires des Nations Unies ne sont ni payés par le Congo, ou le Congo les paye indirectement, sans le savoir, et ils participent plutôt au pillage du Congo. Et là, le Congo n'a pas droit d'accès ou de contrôle de ce droit de contrôle sur ces soldats de la MINUSCO. Mais s'il avait recruté des mercenaires, soit ukrainiens, sud-africains, rwandais, voilà, moyennant son porte-monnaie, il dit « Ah, tu es efficace, je te rémunère. Tu n'es pas efficace, je te dégage. » Voilà. Oui, en fait, c'est un choix politique. C'est un choix politique qui ne revient qu'aux Congolais. Oui, c'est aux Congolais, mais s'ils doivent attendre que les gens viennent de l'aider, je ne sais d'où, ça va être un recommencement de ce qui s'est passé. Mais comme vous l'avez dit, vous venez de le dire, ils peuvent se faire aider par... prenons l'exemple de la RCA, de la République centrafricaine. Ils avaient, et ils ont toujours, l'armée des Nations Unies, donc les casques bleus. À côté, ils ont recruté des Rwandais, des mercenaires rwandais. À côté des mercenaires rwandais, ils ont recruté des mercenaires russes. Et gérer tout ce micmac, c'est là que ça devient difficile. Et la République centrafricaine aussi commence, si même au début semblait maîtriser les choses, je pense que ça commence à être compliqué aussi. Mais c'est compliqué justement par cela qu'il ne contrôle pas. Cela de la MONUSCO ou ces forces des Nations Unies qui sont là. Qu'est-ce qu'ils sont là? Qu'est-ce qu'ils font là? Il faut dégager ces gens, recruter les Russes, recruter Rwandais ou les Congolais ou d'autres, et là, il les commande par son porte-monnaie. Donc, c'est une décision, comme je le disais, politique, que les Congolais doivent vraiment prendre de façon, dans toute lucidité, en s'inspirant. C'est le dernier mot, disons, de la conclusion de cette émission. En prodiguant, parce que vous avez une expérience, hein, vous avez une expérience chez vous au Rwanda, vous avez l'expérience de partir par là en Afrique ou même ailleurs. Donc, on termine par vraiment le conseil qu'on peut donner à nos frères congolais, du gouvernement congolais, à propos de cette décision politique, de ce choix et de cette lucidité qui doit justement accompagner cette prise de décision. Commençons par l'ambassadeur d'Exumane, Jean-Marie Vianney, celui qui n'a pas pris la parole récemment. Et on va terminer par notre grand frère Théobaro Timza. Ambassadeur d'Exumane, Jean-Marie Vianney.
Bon, la question que vous posez est très très large, hein. En fait, je venais de dire ce que j'en pensais. Moi, le plus urgent, c'est de faire un peu de nettoyage de ce côté-là entre la République démocratique du Congo et les Nations Unies. Et redéfinir la mission de la MONUSCO, mais en prévoyant que la MONUSCO se retire. Si possible, si vraiment l'ONU veut aider la RDC, en se retirant, la MONUSCO pourrait céder son matériel à l'armée congolaise, qui sait se battre et qui sait utiliser tout ce matériel. Je suppose que la MONUSCO n'aura pas l'intention de laisser ces matériels aux rebelles, comme au Rwanda, on l'avait vu. Vous savez, après le 6 avril 1994, moi, j'ai quelqu'un qui était à l'hôtel Méridien, qui est donc témoin visuel, eyewitness, oculaire, qui était au 5e étage, qui a observé le 7 avril 1994 les camions de la mine noire qui transportaient les troupes du FPR et qui les déposaient à Katilou, un peu partout. Oui, après l'assassinat du président de la République, les camions de la mine noire ont servi au FPR pour se positionner sur la colline de Katilou. Qu'est-ce qui nous dit qu'avant, ce n'était pas le cas? Puisque l'armée rwandaise a été privée de tout moyen de se ravitailler, les armées, plutôt les armes appartenant au fer, au phare, je veux dire, les armes appartenant au phare avaient été réquisitionnées par Dallaire et les siens, donc la Minois, alors que le FPR avait les mains libres, puisqu'il était adossé à l'Ouganda, qui était son fournisseur attitré, aussi bien en hommes qu'en matériel, en équipement militaire. Rappelons que les Congolais le savent aussi peut-être, hein, toutes ces armées rebelles, dont une, la M23, envoie ses blessés en Ouganda. C'est là qu'ils se font soigner. C'est connu aussi. Tout comme l'armée du FPR faisait la même chose. Elle envoyait ses blessés en Ouganda. Il y avait une pharmacie, hein, attitrée pour le FPR en Ouganda. Il y avait même Médecins du Monde ou Médecins sans frontières qui accompagnaient le FPR dans son avancée sur le terrain. L'aile Kouchner qui était là, qui avait une pharmacie et aussi des médecins, des infirmiers qui accompagnaient le FPR en entrant au Rwanda jusqu'en 1994. Donc, il faut vraiment qu'on fasse très attention. Les intentions qui sont nourries par les uns et les autres doivent être bien monitorées, vérifiées et surtout contrées. Il faut que ce soit contré. Donc, moi, ce que je peux conseiller aux Congolais, c'est de poursuivre les négociations avec les Nations Unies pour un retrait progressif, mais assez rapide de la MINUAR, ou plutôt de la MONUSCO. Ce serait une épine de plus qui serait enlevée du pied de la RDC. Mais pour cela, il faut que la rue d'abord se calme. La rue, on ne peut pas contrôler la rue, parce que c'est la rue qui perd ses enfants, ses parents. Il y a quelques jours encore, les ADF, entre guillemets, je ne sais pas qui est l'ADF aujourd'hui, est-ce que c'est le Rwanda ou c'est l'Ouganda? En tout cas, ce sont officiellement des Ougandais qui sont au Congo, qui tuent les populations congolaises. Et pourquoi ils ne le font pas chez eux en Ouganda, si ce sont des opposants à Museveni? Pourquoi les ADF ne sévissent pas en Ouganda? C'est une question à se poser aussi. Et donc, il faut bien monitorer toute cette situation, surtout parler, mais sans fermer l'œil. Parce qu'ils sont spécialistes de ça, ils vont vous faire, ils vont vous balader, ils vont dialoguer, ils vont promettre ceci, cela, ils vont introduire leurs diplomates à Kinshasa, qui vont se lier d'amitié, etc. Donc ça, c'est peut-être pour une autre émission, les pièges à éviter, mais la MONUSCO ne devrait pas... Le départ de la MONUSCO, il faut tout faire pour que ça ne soit pas un appel d'air favorable à l'entrée de troupes étrangères en RDC.
C'est tout. Il y a une option aussi, il y a une option qui est sur la bouche de certains, de quand même quelques analystes, qui disent que pour l'instant, les Nations Unies aussi devaient prendre une décision pour calmer la chose, ces tensions, ces violences, et le gouvernement aussi essayer de passer un message pour calmer ces violences. Donc, ils se disent pourquoi l'ONU ou la MONUSCO ne soit pas cantonnée, donc cesser toute activité de leur mission pendant que les deux parties s'entendent. Donc, le gouvernement passe le message comme quoi les jeunes se calment. La MONUSCO, l'ONU passe le message que l'ONU, plutôt la MONUSCO, regagne le campement et que justement il revoit tout cela en toute lucidité, sans pression aucune, et vraiment s'entendre sur ce qu'il faut faire. J'ai lu et j'ai écouté plusieurs messages en préparant cette émission. Et il y a aussi cette option-là que beaucoup de gens avancent. Le problème, c'est que tout à l'heure, vous parliez de la déclaration de Batiloukwebo et des autres. Le problème aussi, c'est qu'au niveau de la MONUSCO, ils ont confirmé vraiment l'image que donne l'ONU en général. C'est une machine sans cœur. Vous savez, après la mort de tous ces citoyens congolais, de quelques militaires ils n'ont pas eu un mot pour les victimes congolaises. Ça, je pense que c'était une grosse erreur. Non, peut-être que vous ne l'avez pas entendu, mais l'ONU... Non, c'est à Kinshasa, c'est ce qu'ils ont. Ils ont reproché ça à tous les représentants de la MONUSCO qui devaient... Eh bien, peut-être que plus tard, ils se sont ravisés, mais ils ont pleuré, c'est normal, les victimes de la MONUSCO, les membres de la MONUSCO morts, tués ou par accident, je ne sais pas. Non, les victimes congolaises aussi, et d'ailleurs, l'ONU a pris les mesures sanctionnaires des casques bleus qui ont tiré sur les Congolais. Je l'ai entendu dans les formations. Oui, ça a été annoncé, mais vous savez comment ça va se passer, ils vont être exfiltrés. C'est venu peut-être un peu tard, ouais. Mais c'est venu. Mais Monsieur Théobald, pour conclure, les quelques conseils avisés, évidemment, c'est au gouvernement congolais de prendre ses responsabilités. Mais c'est une situation qui n'est pas facile et que les décisions du gouvernement devraient être réfléchies à plusieurs reprises, méditées et avec beaucoup d'analyses aussi, parce que certaines décisions peuvent être catastrophiques. Monsieur Théobald Otimouza. Merci beaucoup, Louise, pour sa stabilité. Le Congo n'a pas besoin, ou le Congo a besoin des Nations Unies, mais il n'a pas besoin de ce qu'on appelle l'armée des Nations Unies, parce que les Nations Unies n'ont pas d'armée. Donc, qu'elle cherche autrement. Pour ça, je dis que le Congo doit encore se battre. Je crois vers les années 60, on a vu comment les Congolais se sont battus contre les Belges pour obtenir l'indépendance. Et là, ils se sont tus, se sont calmés. Ils n'ont pas encore obtenu leur indépendance. Ils doivent encore recommencer jusqu'à ce qu'ils se libèrent totalement, mais ils sont encore inféodés à tout ce monde qui veut exploiter ces richesses naturelles. Donc, l'autonomie, dès que le Congo aura conquis son autonomie totale, on ne va plus parler d'embargo.
Un pays indépendant n'a pas d'embargo. Un pays indépendant n'a pas une puissance supérieure qui vient dicter sa volonté. Donc, le Congo doit revoir ses aïeux, les aïeux comme Patrice Lumumba, ce qu'il faisait. Le combat, il doit encore recommencer. Et là, c'est d'abord mon premier souhait. Justement parce que qu'est-ce que tu veux que les Congolais fassent quand on dit « Ah, on a une armée de 20 000 personnes pour seulement contrôler si même il y a une arme qui a transité dans une brousse quelque part. » Ce n'est pas possible. Donc, je recommande que le Congo, comme disait l'ambassadeur, le Congo doit chasser, mais dit le gouvernement, pas la populace. Le Congo, le gouvernement congolais, devrait mettre sur la table la question du départ de la MONUSCO, au départ. Et puis, prendre le risque de s'autogérer. Je dis bien le risque de s'autogérer parce que il est convoité. S'il est convoité, eh bien, les gens ne resteront, les vautours ne le laisseront pas tranquille. Mais il doit prendre ce risque d'avoir des vautours à côté, de veiller jour et nuit à ce que son indépendance soit sauvegardée. C'est mon mot de la fin. Merci beaucoup, Théobard Outimonza. Merci beaucoup, ambassadeur Ndayimana Jean-Marie Vianney, pour vos analyses. C'est vraiment la meilleure émission que j'ai jamais dirigée depuis que je suis journaliste, où il y a un peu de tout, où il y a débat, où il y a point de vue, où il y a vraiment convergence d'idées dans la façon différente de voir les choses. C'est vraiment à féliciter de la part de vous, les invités, qui avaient donc brillamment donné la meilleure façon, parce que parmi justement vos idées et vos débats, nous avons tiré le meilleur de... Et merci aussi, Théobald, pour ce conseil à nos frères congolais, hein, vraiment ce sursaut de s'imposer, d'imposer de mettre à côté tout parasite qui pourrait les empêcher de prendre de façon lucide ces décisions à lui et pour lui. Merci à tous les deux pour vos débats, pour votre débat, pour vos idées. Et je n'hésiterai pas, encore une fois, justement, si je vous place sur ce piédestal, c'est que je ne pourrai pas, je ne me retiendrai pas, encore une fois, de vous inviter pour une prochaine émission telle que celle d'aujourd'hui. Merci, je vous souhaite une excellente soirée chez vous. Ambassadeur Ndayimana Jean-Marie Vianney, Monsieur Théobald Outimonza, et à la prochaine fois. Merci encore une fois. Merci.